Oh là les gars! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous la filmer. Comme d'hab, de toute façon, on le sait, à chaque fois, je suis contente de filmer des vidéos. Il se trouve que je suis allée à une vente de vêtements vintage rétro dans Toulouse. Et j'avais envie de vous filmer ça. Alors c'était sur 2 jours, c'était un week-end, c'était le samedi et le dimanche. Bon, moi je pouvais pas y aller le samedi parce que je travaillais, donc j'y suis allée le dimanche. Alors il y avait quand même du monde, hein, le dimanche. Donc je me suis dit, le samedi ça devait être blindé et donc j'imagine que beaucoup de vêtements, beaucoup de pépites, etc. étaient déjà partis. Le samedi. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de trouver des petites choses. J'ai réussi quand même malgré tout à tourner quelques petites images. Donc je vous les montre de suite et puis on se retrouve juste après. Donc comme vous avez pu voir, il y avait quand même pas mal de choses. Bon, après c'était une vente au kilo, donc je vous avoue que c'était pas non plus donné, hein, on va dire. J'avais trouvé 3 chemises en jean, ou 4, je sais plus. D'autres chemises aussi que j'avais trouvées, je trouvais que c'était super joli. Et une fois que j'ai enfin réussi à faire mon choix, quand j'ai mis sur la balance...
parce qu'en fait, ils avaient mis des balances à disposition pour que vous puissiez voir à combien vous en étiez. Et j'étais montée à quasiment 60, 70 euros. Je me suis dit, non, c'est bon, hein, on va se calmer. Donc, du coup, j'ai dû faire des choix et je suis repartie avec trois chemises, hein, voilà, parce que je pense que vous commencez à le savoir, à force, passion chemise. Après, je suis dégoûtée quand même. Je suis repartie avec deux chemises en jean et une chemise classique pour l'été. Enfin, classique, bien colorée pour l'été, on va dire. Et j'ai laissé une chemise en jean. Je suis dégoûtée parce que je la trouvais très très jolie. Mais bon, il a fallu faire un choix. Quand on a regardé mieux, elle était arrachée à un petit. Il y avait un petit trou. À une couture, je sais plus où exactement. Donc j'ai fini par prendre les deux autres et puis bah, je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris. J'ai littéralement craqué pour cette chemise d'un bleu turquoise vert d'eau. Ouais, la couleur. Enfin, alors, elle est froissée. Je suis désolée, j'avais mis ça dans une poche, voilà, vite fait et c'est pas encore passé à la machine. Donc ça va passer à la machine et puis ça va passer au repassage évidemment. Je la trouve trop belle, cette couleur un peu tropicale, etc. Avec les poissons, les parasols. Enfin, c'est vraiment la chemise de l'été. Portée avec un jean ou même un maillot de bain, etc. Non, mais j'adore. Donc j'ai pris cette chemise. Dans les chemises en jean que j'hésitais, j'ai pris. Alors, je sais pas si je vais bien vous la montrer. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais vous la montrer portée, hein. Mais j'ai pris celle-ci. Donc, c'est vraiment une chemise en jean basique. Vraiment, un hein, basique. Je l'ai prise hyper large parce que j'adore porter tout oversize et super large. C'est une XL. Voilà, elle est méga grande, elle est méga longue et franchement, enfin, moi c'est ce que je kiffe en fait. J'étais persuadée, mais persuadée, que je n'avais pas de chemise en jean oversize classique en fait. Et bien là, quand j'ai voulu m'habiller, j'ai redécouvert une chemise en jean basique que j'avais dans ma garde-robe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Bon, après, c'est pas la même. Mais voilà, j'étais persuadée que j'avais pas de basique chemise en jean. Et puis finalement, j'en avais une. Voilà. Mais c'est pas grave, celle-ci me plaît énormément. Et ensuite, j'ai pris une troisième pièce. Donc une deuxième chemise en jean. J'ai pris celle-ci. Oh, je la trouve trop trop belle. Elle est pour le coup, elle sort un petit peu plus de l'ordinaire avec tous les motifs, les coutures colorées qu'elle a. Hein, voilà, je la trouve trop trop belle. Ça vient d'Italie. Franchement, je sais pas, je connais pas la marque, mais je suis ravie de cette chemise parce que pour le coup, des chemises comme ça, un petit peu travaillées, etc., je n'ai pas. Donc, je suis ravie. Et pour ces trois articles, du coup, j'en ai été pour une quarantaine d'euros, je crois, 42 ou 45, un truc comme ça. Alors, ben oui, c'est pas donné, mais voilà, ça me dérange pas en fait, ça me dérange pas de mettre ce prix-là dans des vêtements vintage parce que ben, c'est ce que j'aime en fait. Franchement, j'adore ce genre d'événement. En fait, vous pouvez chiner des articles et vous pouvez trouver, ben voilà, ce genre de pièces par exemple et que vous ne trouverez pas sur la personne à côté de vous en fait. Donc ça j'aime bien, j'adore fouiller. Bon alors franchement j'avoue quand on est arrivé au début il y avait des gens mais il n'y avait pas non plus énormément de personnes mais plus le temps passait et plus les gens arrivaient et vas-y que je te pousse et vas-y que je t'empêche de regarder, vas-y que je te serre les portants comme ça ben toi t'es serré tu peux pas regarder les articles etc. Ça j'avoue c'est pénible mais sinon à part ça ouais. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Les chemises, je les ai trouvées dans le rayon homme. J'ai trouvé la chemise bleue avec les poissons, la chemise turquoise, je l'ai trouvée dans le rayon chemise homme. Et les chemises en jean, je les ai trouvées dans le rayon portant en jean, mais qui était en face du rayon homme. Donc c'était peut-être rayon homme, mais voilà, enfin
Moi, ça me dérange pas, au contraire. Moi, j'adore ça, les rayons hommes. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aura pas trop duré longtemps. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que j'adore ce genre d'événement. Et puis, j'adore vous montrer mes petites trouvailles. J'espère donc, du coup, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram photo. Et puis, peut-être mon Instagram perso, même si, c'est mieux de me rejoindre sur mon Instagram photo en rapport avec cette chaîne. Et aussi de vous abonner et de mettre des likes parce que comme d'habitude ça m'encourage en fait à continuer, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée et à très vite. Bye.